Franck Nivard, driver vainqueur du Grand Prix de Bretagne avec Anamix, qui vous a posé quelques difficultés en partant, mais après, qui a fait un superbe tour. Oui, c'est dommage. On a un peu notre travers aujourd'hui. On s'est piqué le premier départ. Le deuxième, j'ai essayé de lui en lancer, mais rien à faire. Heureusement que si le roussal est au départ, je pense que le chemin reste compliqué. Mais bon, quand même, elle s'est relancée. Les fois d'avant, quand elle a un dans la tête, elle s'est arrêtée complètement. Il y a déjà un point positif. Bon, l'essentiel est assuré, pardon, une place directement entre l'Amérique. Ouais, bah ouais, elle avait mis son billet pour l'Amérique. Maintenant, il va falloir qu'elle soit un peu plus décidée qu'aujourd'hui pour partir. Si elle part comme ça, ça va être compliqué. Vous avez pris le dos de Bird Parker pour revenir sur le parcours? Bah après, j'ai eu une super parcours, moi. Bien sûr, j'ai pas trop bien démarré, mais j'ai recollé dans le bas, et puis quand Anthony devant moi a écarté, j'ai pris son dos. Et après, ça s'est bien mis jusqu'en fin de ligne droite. J'ai eu son dos jusqu'en fin de ligne droite, donc il m'a bien ramené. Puis quand elle a un parcours comme ça, elle est allée vite pour finir. C'est de bon augure pour Bold Eagle, parce que vous avez quand même rendu 25 mètres à l'ensemble du peloton. Ouais, sachant que c'est pas les mêmes, je pense que je dois avoir un peu de marge.